Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu les tendances du moment et puis surtout le style scandinave que j'adore. Allez, c'est parti. Alors premièrement, donc le style scandinave se caractérise surtout par un esprit zen global et puis vraiment beaucoup de lignes pures, donc ça c'est le truc à retenir, et beaucoup d'aplats, donc on va voir ça un petit peu plus par la suite. Donc pour ce qui est des matières, on va rester surtout sur des matières naturelles avec notamment le bois. Vous avez dû remarquer ces petits pieds là qu'on retrouve un petit peu sur tous les mobiliers scandinaves, que ce soit les commodes, les petites banquettes, tout ça. Donc ça c'est vraiment l'esprit scandinave, retenez le bois et les petits pieds. Pour les textiles, donc on va être sur des aplats de couleurs et puis avec quelques coussins par-ci par-là, avec un petit imprimé géométrique sympa. On peut aussi retrouver les textiles dans des pêle-mêles de cadres par exemple, mais bon, je vous en parlerai après. Alors au niveau des couleurs, donc comme je vous ai dit, on va être que ce soit sur les textiles, sur les murs, sur les meubles, etc. Donc on va beaucoup rester sur des aplats de couleurs ou sur des formes géométriques. Donc toujours dans des tons pastels, donc on va varier un petit peu entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et puis on va essayer de rajouter une petite couleur un peu plus vive en jouant sur les complémentaires pour donner un petit peu de peps à tout ça. Donc on va surtout voir du bleu ou du jaune, c'est un petit peu les deux couleurs qu'on retrouve de partout dans ce style là. Voilà, donc beaucoup de tons pastels et une petite touche de bleu ou de jaune pour relever un peu le tout, parfois même les deux. Donc pour les accessoires, le must ça va être les coussins comme je vous ai dit imprimés géométriques et les coussins en aplat. Donc vraiment jouer le jeu entre les deux. Les cadres, on va avoir beaucoup de pêle-mêle de cadres, donc que ce soit des cadres en bois ou d'autres matières, on peut vraiment mélanger tout ça. Pensez à jouer sur les couleurs pastel avec ce petit coup de peps aussi dans les cadres, c'est plutôt sympa. Et puis voilà, vous pouvez même mettre du papier peint avec un imprimé géométrique dedans, mélangé avec des photos un petit peu en noir et blanc. Enfin, amusez-vous, il y a plein de choses sur internet, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Allez voir et puis faites-vous plaisir. Au niveau des accessoires, donc on va jouer surtout sur des petits vases, des bougeoirs, etc. Mais opaques, on va avoir très très peu de verre translucide dans ce style-là. Donc du verre opaque et puis donc ça peut être de la porcelaine ou des choses comme ça, ou simplement du verre peint. Donc trempé dans de la peinture pastel ou toujours cette petite touche de couleur jaune ou bleu. Enfin le dernier point pour les luminaires, donc on va préférer les luminaires en bois. Ça va être le grand retour, un petit peu la touche vintage du style scandinave. Ça va être le grand retour des lampes articulées avec le pied en bois. Surtout pour les lampes de chevet et de bureau. Dans le salon, on va plus retrouver des lampes style trépied avec un chapeau dans les tons pâles, les tons neutres, avec le pied en bois toujours, c'est très important. Pour ce qui est des cuisines et puis un petit peu les salons aussi et les bureaux, pas oublier les bureaux, on va retrouver les suspensions qui ont un petit peu été piquées, je pense, du style industriel. Donc ça va être des suspensions avec le câble visible et puis la petite différence par rapport au style industriel, ça va être la couleur du câble et le cache, donc qui va être plutôt en bois ou du bois peint dans les tons pastels. Voilà, et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il y a les striés aussi, ça c'est, j'adore les striés, donc il faut absolument que je vous en parle. C'est un petit peu moins typique du style scandinave, mais on le retrouve aussi. Donc ça va être des chapeaux striés en fait pour les lampes, qui vont permettre un jeu d'ombre et de lumière qui est super sympa. Donc allez voir les photos, il y a des trucs jolis. Et puis si vous voulez vraiment rajouter la touche tendance, qui appartient pas nécessairement au style scandinave à la base, mais c'est un petit peu la touche tendance pour ce style-là, fin 2016, début 2017, donc ça va être l'introduction du cuivre. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres, au moins vous êtes sûr de rien rater. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et puis commentez tout simplement si ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi en tout cas. Avant de vous laisser, je vais juste vous dire une chose. Analysez bien et puis réfléchissez avant de foncer tête baissée et de repeindre tous les murs. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.